Florent Pagny n'est pas qu'un chanteur à succès et coach emblématique de The Voice. Il est également l'heureux mari d'une certaine Azucena et papa de deux enfants. Aetrema et Léaka. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, L'Avenir, le chanteur qui fêtera ses 60 ans le 6 novembre prochain fait le tour des médias. Ainsi, il évoquait déjà sa vie de famille dans les colonnes de télé 7 jours. Il confiait sa fierté de voir ses enfants, Inca, né en 1996, et Aetrema, né en 1999. Grandir et s'épanouir. Mes mômes sont super, ils s'épanouissent. Mon grand vient d'avoir son brevet de pilote d'avion à 25 ans. Lâchait-il, tout en s'exprimant sur l'activité insolite de son fils. Il sait, bien faire des graffitis. Au départ, pour rigoler. Maintenant, il est contacté par de petites municipalités pour repeindre les cabanes EDF horribles. Je trouve ça génial. Ce mercredi 22 septembre, Florent Pagny était cette fois-ci présent sur le plateau de Télématin sur France 2. L'interprète de Savoir Aimer explique alors les coulisses du tournage de son nouveau clip. Une vidéo dans laquelle son fils apparaît. C'est plutôt, mon fils, qui m'a inspiré ce clip parce que justement mon avenir c'est eux. Et que quelque part, avoir un môme qui vient de passer son brevet de pilote et qui derrière s'amuse à faire du street art et ça se passe bien. Tu te dis tiens on va utiliser tout ce que tu aimes et puis tu vas venir, on va faire un clip. Florent Pagny s'affiche également très fier de sa fille qui a trouvé le domaine qui lui correspondait. Comme il le confiait lors d'un entretien accordé à Gala. Nos mômes ont trouvé chacun leur point fort. L'ont développé et c'est très agréable de les voir suivre leur destin ainsi, indiquait-il, pas peu fier. Trop chou.